Il est 10h, Royan s'éveille. Soleil et douceur sont là pour accompagner la réouverture des magasins. Même si les temps sont durs, il flotte dans l'air ce samedi un parfum de bonheur. C'est un réel plaisir de retrouver les dames, de retrouver une vie sociale, de retrouver les boutiques ouvertes, de la lumière, une grande journée de soleil, c'est la fête. Voilà, c'est jour de fête. Le confinement était très long, oui. On avait hâte de réouvrir, oui. Heureusement, là, on a pu faire un peu de rangement dans notre réserve, préparer Noël comme il se doit. Jour de fête avant les fêtes, où les commerçants, comme pour remercier leur clientèle, proposent des promotions. Deux articles achetés, le troisième offert, le moins cher des trois. Et aussi, on a des promotions, ce qu'on appelle silencieuses. Donc ça, c'est surprise à la caisse. Parce que bon, il y a les mesures sanitaires, il n'y a pas de souci. Si tout le monde respecte, faut que tout le monde respecte. Voilà. Moralement, ça fait du bien. Ouais, on attendait que ça. Elle vient d'acheter une trottinette. Venue de Saujon, Aurélie remplit la hotte du Père Noël chez les petits commerçants royanais. C'est mieux que de cliquer sur un bouton et voilà, on a quand même le contact avec les personnes, c'est quand même très agréable. En respectant les gestes barrières, bien sûr. Le deuxième grand changement du jour, c'est de pouvoir sortir 3 heures dans un rayon de 20 km autour de chez soi. Beaucoup retrouvent ainsi le plaisir du bord de mer. J'ai l'habitude de rester dans ma campagne, mais là, je peux à nouveau profiter de la mer et c'est un vrai bonheur.